C'était du CGT, toujours en ce samedi, en Fa, puisque là on va passer en Sol 1, pas des tomahawks, pas des. Non, non, non. Bon. Tout ça pour dire quoi? Eh ben, c'est une époque de merde, parce que pendant que je rends mon rapport de combustion, la baignoire m'en rend, tu vois, un corps mourant. Non, pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, le Donald, le Macro, le machin, c'est bon. Bon. J'ai passé un putain de vendredi saint, un putain de samedi saint. Et ben j'espère demain, un dimanche saint. C'est vers la fin du carême, on arrive à la Pâque. Et puis moi, j'étais pas que crétin chrétien. Hein. Tu sais, j'avais fait avancer mon esprit dans le semainier des acouphènes. C'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde. J'avais créé sur pas le Facebook ou le YouTube le club des acouphènes, mais en fait, j'en ai jamais parlé. Pas grave, ça. Ça va bien d'eux. Rien à foutre, je suis chef d'état d'âme, je suis déjà mort 14 fois, je viens du 4-1. 13e nombre premier, en plus, je vous emmerde, les cons. Les cons à pognon. Comme ça. Hier, j'ai passé une soirée. Oh putain, comme j'étais content quand j'ai vu le groupe à Daniel. Putain, il joue à 3. Bon, c'est du rock, hein. C'est pas du Club Dorothée, c'est pas du David Guetta. Hein. Enfin, et le bassiste et le gratteux, ils chantent tous les deux. Alors, putain, c'était super sympa. Et après, je suis allé faire un tour avec Patrice. Oh, il va y avoir. Deux soirées flamenco à Notre-Dame-du-Port, juste à côté, là, sur la rue Machaut, la rue je sais pas quoi. Et c'était bien, c'est là que je voudrais que, voilà, c'est Patrice qui fait mon Lederman, à la Coluche à l'envers. Ils m'ont fait le camion, hein, oh. Regarde-moi bien dans ta gueule. Ils m'ont fait le coup du camion à Coluche, même pas mort, même pas mal. Moi aussi, j'étais un hématome pendant 2 mois. Un gros bleu vivant du cou jusqu'au doigt de pied. Et alors, qui pourra leur dire? C'est comme les tourteaux qu'on respire. Donc ça, c'est l'ambiance café de Turin. Un peu plus de prairie que d'ordinaire. À bonne époque. Comme feu vert. Mais j'avais le feu vert de terre et j'ai des films, attention. Bon, ça se voit. Cet après-midi, on était trois astropotes. Et on s'est mis du 89, il y a bientôt 30 ans, 2018, il y a 29 ans. Et il y avait de tout. Et c'était pas mal. Et on faisait des sketchs et on rigolait bien. Pouh, Franck et sa sœur Carole, tranquille. Bon, le mec, je me rappelle plus. Bon, il y avait un peu mazo là des fois, il y avait un peu. Bon, attends, je vais en mettre. Ouf. Et écoute, il n'y a plus de prescription, savoir 30 ans. Sauf que les secrets défense, il faut les sortir au bout de. Bah, faudrait pas qu'il y ait de secrets défense. Faut les sortir tout de suite. Bon, pour moi, j'étais peinard. Hein. Je suis en train de rendre mon rapport de combustion à la planète, comme ça, dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. Le samedi, c'était en Fa. Et dimanche, on passe en Sol. C'est du Sol R. Solaire, Sol R. Comment? Faut que tu arrives à chauffer ta position dans l'espace-temps. C'est pour ça qu'ils enlèvent les thyroïdes. C'est pour que tu n'en aies pas. C'est pour ça que mon 2% Saint-Luc, il restait 2% Saint-Luc. Bon, Pierre, ils n'ont rien fait à sa thyroïde, mais c'est quand même mon 2% Saint-Pierre. Mais quand même, elle va l'arriver à pas loin de 10%. Et Arnaud, il était pas loin de 20%. Arnaud, il est cool, c'est un bon garçon. Voilà. Voilà. Tu chauffes ou tu chauffes pas, qu'est-ce que t'as vu que je te dise qui fait que quoi? Des oies de 40, monsieur Vincent. Béjour. Béjour.
pas comme ça, c'est pas comme le mariage au Maroc. Mais il faut comprendre l'espace-temps. Il faut du temps. Par exemple, mon ordi, c'est une merde. C'est mon D2 R2. Ça veut dire quoi? Ben, de par la pierre angulaire, je construirai mon église. Quand j'étais allé me confesser à Notre-Dame de la Guerre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai vu un curé, c'était un grand noir, je sais pas, mais je suis rentré parce que j'étais en train de péter un câble. Il m'a dit, et j'ai dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai vu le bon Dieu, il m'a parlé de toi, enfin, il n'a pas dit à la Coluche, hein, hop. Il m'a dit, oh là là, toi, c'est le moment de te confesser. J'ai dit, ah bon? Il m'a mis sur un tabouret rouge, là, je sais pas, un truc. Et là, j'ai sorti tout le mal que j'avais fait dans ma vie. Et de là, le mec, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, le mec? Il me dit, tu repars au lendemain de ton baptême. Bon, il y a le baptême catholique, il y a le baptême protestant, orthodoxe, je sais pas, pour l'instant, comme ça. Et puis, bref, c'est pas que j'ai été électrocuté, c'est pas que hop, c'est vers 2008-2009, c'est au moment de ma grâce sanctifiante, c'est au moment de. Putain, le mariage à la ligne d'Annonciation, ça fait 9 ans. 2009. Ifrane, la cascade de la Vierge, la Marie, la Myriam. Marie Myriam, comme un enfant. Comme ça. Et le beau-frère, l'escroc, Brahim Boukaten. Comme ça. Putain, il a bien ri jaune quand je reprenais le bus. Je savais qu'il était en train de m'enculer. Je savais que j'étais pas un bâtard, mais de toute façon, il avait été en prison l'année d'avant. C'est comme un homme politique, tu sais. Qu'est-ce qu'il était là, adjoint au maire d'Ifrane ou d'Azrou? Rien du tout, il était genre chef électricien et en fait, il s'en battait les couilles. Il m'a bien enculé en attendant. Hein, Brahim? Regarde bien ma gueule maintenant. Mais que je t'ai prophète de quoi? Je t'emmerde, espèce de connard. Tu trompes ta femme, tu tapes tes gosses parce qu'ils disent qu'ils t'ont vu tromper ta femme, enfin. Mais va te faire enculer, Brahim. Là, tu vois, c'est la puissance du bon Dieu de la caméra, du numérique sa mère, de je t'emmerde, pédé, tu m'as niqué ma vie. Voilà. Allô, Myriam? Oui. Désolé, hein. Il n'y aura pas de bébé. Hein. Pour l'instant, il est mieux là-haut. C'est vraiment une planète de menteurs. Vous êtes tous des menteurs pour l'argent. Que ce soit arabe, français, juif, musulman. Hein. Vous mentez tous et je vous emmerde maintenant. Moi, j'ai la puissance du bon Dieu. Le premier qui m'énerve vraiment, à chaque fois, ça chie. Alors maintenant, il n'y a pas que des trous noirs, il y a des trous blancs et puis il y a des trous verts. Bon, puis de toute façon, moi je suis un trou bleu. Ah ouais? Trouble quoi? Cinquième éléphant, le chevalier galactique temporaire, le conjugateur galactique temporel du BST, du CGT. Tu vois? Bah c'est comme si, c'est comme ça, tu chauffes pas. J'ai parlé à maman ce soir, c'était super. Bon, le beau-père, c'est con. Le mec, il fume pas, il boit pas, il faisait du sport, il faisait du vélo. On a encore fait une attaque cardiaque. Bon, bah, tant qu'à faire, autant fumer, bourrer la gueule. Bon, je dis ça, c'est pas. Ah, alors là, c'est pas du tout pour les enfants. Les enfants, attention. Mais quand même, il manque des matières à l'école. On n'apprend pas l'âme. Moi, j'étais bien content parce que dans ma rue, ce soir, enfin, avant qu'ils arrivent, tout à l'heure, tous les enfants, enfin, tous les enfants qu'il y avait du quartier, de la rue, comme ça, quand même, ils disent, oh, bonsoir, t'es éternel.
Et ben, comme je suis content, après il me dit, donne-moi ta caméra. Je dis non, déjà elle marche pas, je voulais filmer. Je dis, ça marche par hasard, tu sais, à chaque fois que ça marche, c'est un miracle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ben, les gosses de ma rue, tant, à la trust. Bon, nous, on avait trust. Hein, il y a du rap, il y a du machin pour les revendications. Ils sont super, super sympas, les gosses de ma rue. Alors, je t'emmerde, moi, qui c'est qui est pas content là? Je te dis qu'ils sont bien, les gosses. Les autres, ils râlaient un peu. Ouais, les petits arabes de la rue, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a de la rue, tu sais, il a trop sniffé comme Johnny, les narines en or ou quoi. Oh, et si on a l'étage, j'en ai rien à foutre. Et c'est comme le foot, j'en ai rien à foutre du foot. Tu vois, que ce soit bien clair. J'en ai marre. Voilà, je suis j'en ai marre. L'apocalypse de Saint-Jean, Neymar. J'ai fait une entorse, je sais pas, 400 millions d'euros. Mais allez tous vous faire enculer. Vous voyez pas que vous êtes des merdes, en fait. Bon, c'est rien. Je m'énerve pas trop parce que j'ai fini de faire caca. Mais quand même, ça refoule de la merde. Tu lis l'avenir dans ta baignoire. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? C'est de la merde. Ça remonte par les chiottes des trous du cul du pouvoir. Tu comprends? Est-ce que tu comprends bien? Parce que là, je suis pas encore bourré, mais je peux pas encore le dire droit dans mes yeux devant l'objectif. Si la baignoire m'emmerde pendant que je chie, ben je vous emmerde, bande de connards, de fils de pute, d'État corrompu, et puis c'est tout. Le pouvoir part pour et avec les peuples. Pas compliqué, les 4 P du 4-1. Pas compliqué. Hein. Tout à l'heure, on a regardé du 89, ça fait 29 ans, exactement. En plus, là, ce serait le 9 ans de mon mariage d'annonciation. D'un côté, ça c'est l'histoire du bipolaire triphasé. D'un côté, je suis super pas content. Vous avez tous menti, vous êtes tous des connards. Et d'un autre côté, je suis super content parce que j'ai compris ma survie. Faut un plus pour faire un moins. Pour faire du bipolaire, hein, il faut du triphasé. La trilogie de quintessence, nanani. Mais ça va. Viens le mal, viens le diable, je te pète la raie, je te coupe en deux, je te trucide. J'ai l'épée de Damoclès et tout. Par contre, pour rédempter, donc il n'y a pas grand monde qui comprend qu'il a une âme dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. Ô Seigneur de ma galaxie. Je suis une chevalier galactique temporel ou conjugateur galactique temporel. Je sais bien que vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant, mais je le dis maintenant parce qu'après je serai crevé. Il faut que j'y reste une trace. Seuls les écrits ou seuls les machins restent. Bon, c'est sûr que le Facebook ou le YouTube, au moment où ils vont t'enculer, ils m'ont déjà viré mon MySpace, ils m'ont déjà toutes mes pages d'accueil, moins deux fois ou voire trois fois. Le numérique, sa mère, en fait, c'est l'intelligence artificielle contre l'intelligence naturelle. C'est comme quand si tu dirais, je sais pas si ça filme, ça doit filmer. C'est comme quand tu dirais Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle, et que tu dirais le diable, directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. Tu chauffes? Tu chauffes pas? Si comme si, c'est comme ça. Tu chauffes ou tu chauffes pas? Si tu chauffes bien, c'est bien. Si tu chauffes pas, tant pis. Ouais, c'est comme les orgues. Bon, tant pis. Poète.